Good morning, allez, Iden le sur aujourd'hui, le Nishmat, Richard Ben Fortune Mazal et Claude Trak Ben Fortune Mazal. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez sa communauté éternelle. Nous étions au Seret Beitza, Perek Aleph, Mishnah Chet. Aborer kitnit beyom tov, bet shamayumrim. Borer ochel mit ve ochel. Ou bet hilel omrim, borer kedarko, becheko, bekanon, ou bet amchouy. Avalo bet avla, velo ben apa. Velo bakvara. Rabban Gamliel Omer, af, mediach, vecholé. On s'intéresse à présent, Mishnah précédente, on avait parlé de moudre à Yom Tov, lorsque tu as besoin de moudre. De quelles sont les manières de faire, les épices, le sel. À présent, on va s'intéresser à la malacha de borer, de trier. Soit, on peut avoir toutes sortes de légumineuses, par exemple, c'est ce qu'on va parler. Avec des impuretés qui se sont mélangées dedans, si ça peut être des petites pierres avec les grains de petits pois, ou encore, d'accord, toutes sortes d'impuretés qu'on pourrait avoir dans des quétiniotes, dans des légumineuses, et tu vas être borer au tam. Alors, ça se passe comme ça. De manière générale, peut-être qu'on va commencer avec les crottes Shabbat. Vous devez bien connaître le principe qu'à Shabbat, il faut retirer le bon du mauvais, et pas le mauvais du bon. D'accord? Tov, minara, comme ça c'est l'utiliser, psolette et ochel. On différencie dans la rapsolette et ochel, ce qui est le bon, ce que tu veux manger, et la psolette, c'est ce que tu veux jeter, ou supprimer, ou extraire. De manière générale, dans Shabbat, où tu n'as pas le droit de transgresser du tout, même pour manger, alors tu as le droit tu ne pourras que retirer le bon du mauvais. Parce que dans ce cas-là, lorsque tu vas avoir un plat, imaginez, c'est fréquent, c'est... Le cas qui s'est présenté encore Shabbat dernier, j'étais invité quelque part, où il y avait là-bas, Une des impuretés, quelqu'un qui a mangé une cacahuète et qui a eu des impuretés qui se sont tombées dans une salade. Vous retirez maintenant l'impureté et la ressortir, comme ça c'est interdit de boire. Pourquoi? Parce qu'on prend le mauvais du bon, on prend la psolette du Ika. Le seul moyen qu'on a de manger, c'est de retirer le bon du mauvais, ou bien, au pire, de retirer. En même temps avec cette petite psolette, on retire toute la partie... qui est autour, et puis dans ce cas-là, ça marche, parce qu'on n'a plus séparé le bon du mauvais, on a pris... tout un petit groupe de bons et de nourriture et l'impureté en même temps. Ça, c'est pour les lechot Shabbat. Donc, on te demande toujours de retirer le bon du mauvais. À Yom Tov, tu as le droit de trier, si c'est nécessaire, pour manger. De ce fait, là, regardez ce qui va se passer. On va se retrouver dans une situation à peu près assez spéciale. C'est que, imaginez que tu as un plat de cacahuètes, où il y a dedans plein d'impuretés. D'accord? Alors, on a dit à Shabbat, ton unique solution de manger, c'est de retirer les cacahuètes et de les manger. Tu n'as pas le droit de retirer les impuretés et de les retirer et de les jeter parce que tu seras en train de borer. À Yom Tov, tu as le droit de trier. Dans ce cas-là, on va te demander de faire tout ce qui est plus facile, le plus facile. Si c'est plus facile de retirer les cacahuètes, retire les cacahuètes. Mais si c'est plus facile de retirer les impuretés, ben retire l'impureté au contraire. Tu ne veux pas que pendant Yom Tov, tu te fatigues pour rien. C'est quoi ton problème? C'est que tu vas trier. À Yom Tov, tu as le droit de trier pour manger. Donc du coup, si tu as 2-3 impuretés qui sont mélangées dans le pot de cacahuètes, tu as plus vite fait de retirer les petites impuretés qui te sont dedans et que tu les jettes. Donc on va te demander de retirer les impuretés. D'accord? C'est sur ça en fait qu'on va avoir une requête tout de suite entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai va me dire malgré tout, tu continues à trier le bon du mauvais uniquement. Khumra que Beth Shammai, ils ont. Ça peut être expliqué pourquoi, entre parenthèses. Je ne sais pas pourquoi Beth Shammai a insisté sur ça. D'accord, j'ai pas vu qu'ils ont expliqué pourquoi. En tout cas, Beth Shammai, il nous dit que... Une seconde, excusez-moi. Ouais, ils ont, ça n'a pas été précisé. Pourquoi est-ce que Beth Shammai, normalement, t'as le droit de trier? Beth Shammai, ils ont été marmires sur ça. Aborer kitnit be yom tov. Celui qui va trier des kitnit, donc des légumineuses pendant yom tov. Beth Shammai omrim, Beth Shammai enseigne. Borer ochel ve ochel. Il va retirer le ochel, la nourriture. Et il mangera ensuite. Tu retires le bon du mauvais uniquement, comme dans Shabbat, tu peux le faire pendant Yom Tov. Pourquoi? C'est pas précisé nulle part. Je suis désolé. Pendant que je prépare mon cours aussi, j'ai pas fait attention, mais c'est personne n'a essayé de m'expliquer pourquoi. D'accord? Donc, tu continues, on veut pas que tu transgresses l'interdit de trier pendant Yom Tov, même si t'as le droit de trier pour manger. Je sais pas pourquoi Rabbi Shammai interdit. Ou bâtit l'homme. Pardon. Ou bâtit l'homme, ou bâtit l'enseigne? Non. Borer kedarko. Tu tries comme d'habitude. Ça veut dire, si c'est plus pratique et facile de retirer justement l'impureté
de la nourriture, par exemple, de retirer les impuretés qui sont dedans, les épluchures qui sont mangées pour avoir un plat propre, procède ainsi, borer kedarko, comme tu en as l'habitude, et becheko, alors, littéralement, becheko, le chek, c'est le, comment dire, les aisselles, le fait de garder ça en son sein, alors, quel rapport avec ici, en fait, c'est le tiferet, c'est le melechet shlomo qui explique, c'est pour le garder pour plus tard, tu le fais à Shabbat. Même à Shabbat, lorsque tu as le droit de trier, c'est que pour consommer tout de suite. Même retirer le bon du mauvais, c'est que parce que tu veux manger tout de suite. Mais tu n'as pas le droit dans un pot de cacahuètes, par exemple, que tu veux garder pour demain. Hein. Le soir, tu vas trier les bonnes cacahuètes, et tu les mets dans un pot à part, et tu jettes les impuretés. Parce que là, tu as trié, puisque tu l'as fait, tu l'as gardé pour le lendemain. Alors toi, tu as le droit de le faire, de nouveau. Donc c'est ça, Becheko. Becheko, même pour le garder, Becheko, en ton sein, pour le manger plus tard, en fait, pas tout de suite. D'accord? Et en plus de ça, tu pourrais même aussi le faire avec Bekanon ou Betamokhoy, qui sont des ustensiles avec lesquels on trie. Alors, canon, c'est, je l'ai eu expliqué, le canon, c'est le, une petite seconde, je l'ai vu, c'est une sorte de tuyau, je sais pas exactement comment ça se présente, où en fait, on a une sorte de récipient, d'accord, qui est large en haut, et qui est plus fin en dessous, et qui se finit par une sorte de tuyau, et on va secouer, et puis comme ça, toutes les impuretés vont tomber, on va garder le bon en main. C'est le canon. Et tamchouy, c'est une sorte de grande kehara, comme ça c'est précisé dans le Barthénova, dans le Tosot Tov plutôt. Alors j'imagine que c'est quelque chose que, peut-être, ça fait fonctionner le principe de sans donner la force centrifuge, que quand on va le faire tourner, alors les impuretés vont s'éloigner, ou je sais pas exactement. En tout cas, c'est un ustensile prévu avec lequel on trie. Et la Mishnah nous dit, Bethelel te dit, ah Yom Tov, t'as le droit de trier si c'est pour le besoin de Yom Tov, même d'une Tsehouda à l'autre, depuis le soir jusqu'au lendemain matin pour le manger à midi, t'as le droit de trier comme tu veux, pour garder pour après, en utilisant même des ustensiles appropriés pour le tri. Mais par contre, il y a une chose que je ne veux pas que tu fasses, c'est Avalo Betavla, Velo Benapa, Velo Bakvara. Trois sortes d'ustensiles. Tavla, regardez, c'est une table, c'est quelque chose de beaucoup plus gros. Le principe général, ça n'a pas tellement été précisé quelle est la problématique de cela. Je ne sais pas, ils n'ont pas tellement précisé les Mefarshim, cette Mishnah. Spécialement sur ça, en tout cas, le principe général de ces trois ustensiles, ça c'est oui dit dans le Tosot Yom Tov, dans le Mechet Shlomo, c'est que ce sont des ustensiles qu'on utilise pour les grosses quantités. Donc quand tu utilises ta Kvara, ou ta Napa, ou ta Tavla, eh bien, ça veut dire que tu vas trier pour une semaine, deux semaines, tu vas garder une très grosse quantité. De ce fait, un ustensile que son utilisation elle est que pour trier pour une longue période, on ne peut pas que tu l'utilises pendant une octobre, même si tu l'utilises pour une très courte durée pour le lendemain. Parce que vous allez commencer à l'utiliser, demain, on va se retrouver avec tout le monde qui vont se mettre à trier même pour le jour de Chol. Et comme ce qu'on a introduit, à Yom Tov, on n'a pas le droit de faire une menacha si c'est en vue d'un jour de Chol, t'as le droit de faire que pour le Yom Tov. Donc du coup, tu n'utilises pas ces ustensiles. D'accord ? Rabban Gamliel Omer, Af. Médiach Vécholé, Rabban Gamliel, lui, il permet même une autre manière de trier, que littéralement, c'est que tu remplis d'eau et tu retires. Vous savez d'abord, entre parenthèses, c'est aussi quelque chose que les gens ne savent pas forcément, la salade verte. En Israël, on utilise la salade verte de Gouchetif, Zichrono Livracha, les salades vertes qui ont été élevées dans le sable. Donc elles sont toujours remplies de sable. Vous n'avez pas le droit, à Shabbat, de prendre un pot et de mettre la salade dedans avec de l'eau pour faire tomber le sel en dessous. Vous êtes en train de trier avec un ustensile. Il faut nécessairement le mettre sous l'eau pour faire tomber les impuretés, uniquement avec le jet d'eau, et l'utiliser pour la consommer tout de suite. Mais sûrement pas l'utiliser en la mettant dans l'eau, vous êtes en train de trier avec un ustensile, c'est formellement interdit pendant Shabbat. Pendant Yom Tov, tu as le droit de trier, Shabbat, Rabban Gamliel ne me permet de le faire. Médiach, il remplit d'eau, Vécholé, et donc, en fait, il va mettre par exemple sa salade dans un pot, il va remplir d'eau, et puis après, il va pousser toutes les impuretés comme ça, extérieurement, donc, qui flotte au-dessus, ben Rabban Gamliel permet de le faire, et la Lacha, pendant Yom Tov, il permet de le faire, et la Lacha, elle établit comme Rabban Gamliel, que pendant Yom Tov, on a le droit de trier de la sorte. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.